STV, votre télé. It is no more a secret that yesterday was a great day for women all over the world, and particularly women in Cameroon. Yesterday, they jumped into the bargain to celebrate the International Day of Women. And I hope everything went on well, of course. Now, let us start this journey of human interest stories with this assertion of this statement. When the preferable is not available, what is available becomes the preferable. This is how we can define the present situation in the northwest region of the country, where local drinks are not available. We find more in the following report. The one-time lucrative off-license business is on a decline in Bamenda, chief town of the northwest region. This has been attributed to the absence of some drinks in the market, as well as the fluctuating nature of prices, a situation which has given rise to the massive importation of foreign drinks into the northwest region. It's not as the business is not as before. You see, at times we'll hire vehicles to go and buy inside brasserie, transport them here. I don't like Guinness drink, so we are forced now to buy Nigerian drink. But when we have them, we must increase the price. For example, sell a bottle now for $7.50. According to some bar owners, the absence of brasserie drinks have had a negative effect in their revenue, as business is at its best only during weekends. The situation in the country right now, things are not really moving except during the weekends, because that's only when people have time to come out and feel free a little. The level of disturbances that we have, so we prefer to deal only with the Guinness. Before, we used to sell a bottle of drink at 1,000 francs, but we are forced to step down the price of drinks. Right now, we sell at 800 francs per bottle. On their part, consumers have been grappling with the issue of choice of what to drink due to scarcity of some drinks, as well as the price and quality of imported drinks. I no longer have a choice of drink, but with the scarcity of the product, we are bound to switch camp. The scarcity of the product, we prefer even the wine, because it is advantageous buying a wine for 1,500 than buying a bottle drink for 800. I used to drink Booster or Export. Now there's no booster, there's no expense, so now we don't have choices. On the one hand, importers of foreign drinks are benefiting from the absence of some drinks in the market, and on the other hand, consumers are adapting to the situation, as it is often said, when the preferable is not available, what is available becomes the preferable. What about the strike in the University of Douala for some few days now? Assistant lecturers have decided not to work because of absence of some proper working conditions. Our crew went through the University of Douala, and this is what they brought for us. D'aucuns assis à même le sol, expression du déplaisir, d'autres dont les langues n'arrêtent de se délier, sont debout. Une image qui traduit l'obstination des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun et regroupés en syndicats à l'enceinte de l'Université de Douala pour le compte de la deuxième journée de la grève illimitée. Le collectif entend battre le pavé dans la mare jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. La grève est illimitée. Jusqu'à ce que les solutions concrètes soient prises par les pouvoirs publics pour pouvoir résoudre cela. En 93, on nous a coupé le salaire abusivement. Maintenant, il est question d'abord de restituer ce barème de 93. Ensuite, son arrimage au SMIC. Pour le recteur de ce temple du savoir, l'acte du personnel d'appui trahit la confidentialité des réunions de concertation menées jusqu'ici au fin de trouver des solutions consensuelles. Déjà fin février, nous nous sommes réunis après avoir pris connaissance de leurs revendications. D'ailleurs, à la suite de cette rencontre, il y a un communiqué qui est sorti. J'ai mis en place une commission ad hoc
avec eux-mêmes dedans pour contribuer à la réflexion. Eux-mêmes y sont. Donc on a sorti toutes ces hypothèses. Bon, quand je vais les recevoir, vous savez qu'on est en train de travailler. Puisque quand nous nous séparions, c'était ce travail que l'on fait. Monsieur le vice-directeur, bon arrivée. J'ai dit, on est en train de travailler sur ça. Moi, je vais leur demander que je ne comprends plus. Je suis étonné, puisque nous sommes, le processus est en cours. Le fait de n'avoir pas attendu jusqu'à la fin de l'étude du dossier, du problème posé avec tout ce que cela comporte par les autorités compétentes, pourrait laisser penser à en croire le professeur François Xavier et toi à une manipulation à des fins politiques. Tout compte est fait, le discours de l'espoir et de l'apaisement sont le levier qu'active l'administration. Il y a des assertions dans les belles lettres qui ont toute une signification dans la vie au quotidien. Je ne sais plus qui l'a dit, mais j'ai retenu l'expression. Il y a quelque chose de honteux à vivre heureux tout seul. Moi, je suis heureux quand je vois mes personnels à l'aise. Voilà pourquoi je leur tiendrai le langage de l'espoir. Parce que dans tout cela, il faudrait voir la soutenabilité. C'est pour ça que je leur ai demandé, faites toutes les déclinaisons possibles. Et, in fine, pour leur dire, mais comme c'est un problème national, soyez donc patients. Signalons à toute fin utile que le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun revendique entre autres la restitution de l'indus prélevé sur les salaires des personnels d'appui des universités d'État depuis 1993, l'application du décret du JET 2014 portant révalorisation du SMIC. Let us have a tour of Bertoua in the east region of the country, where few minutes ago talking about the scarcity of local drinks in Bamenda. In the east region, the population is against the increment of local drinks. Our reporter were at some places in that part of the country, and this is what he has for us today. Des bars complètement vides, les serveuses oisives et les gérants de débits de boissons mécontents, la nouvelle de l'augmentation des prix des bières par les brasseries du Cameroun n'est pas sans effet à Bertoua. Nous avons reçu la nouvelle d'une manière brusque, alors qu'auparavant, le ministère du Commerce avait pourtant signalé qu'il ne devait pas avoir d'augmentation de prix. Par conséquent, l'impact a été aussi vite remarqué sur les clients qui, n'étant pas aussi au courant comme nous, nous a créé aussi beaucoup de discussions entre eux et nous. L'augmentation des prix, là, ça influence les clients. Les clients ne boivent plus les bières parce qu'il y a augmentation. Nous-mêmes, ne vendons plus rien. Les bars sont vides. Et puis les impôts, la patente, les trucs, on ne parvient même pas à payer. Bien plus, sur le terrain, il se développe une sorte d'arnaque des clients. Les gérants des débits de boissons mis au courant de cette décision ont aussitôt fait de faire grimper les prix à leur guise sans tenir compte des nouveaux tarifs appliqués par les brasseries du Cameroun, ce qui a suscité la colère des consommateurs. Alors je suis en train de parler comme ça par rapport à l'augmentation des prix des bières, parce que on nous dit que la bière c'est 650, mais dans les bars on paye 800, 700. Bon, alors qu'il n'y a pas l'argent au pays, vous voulez donc qu'on doit vivre comment? Même jusqu'aux cigarettes, on a déjà augmenté les prix des cigarettes par rapport à moi, je suis un fumeur. Mais on me dit déjà que le bâton de cigarette c'est 300 francs. Je ne sais donc pas, vous voulez donc qu'on vive comment? On nous a dit que ça a augmenté de 50 francs, mais apparemment on est en train de payer la bière à 700, 800 francs. Donc finalement, nous ne sommes pas fiers. Si le Cameroun ne va pas mieux par rapport, on va aller dans où? Pour l'heure, les consommateurs exhortent non seulement la délégation régionale du commerce de l'Est à veiller à l'application des prix tels que décidés par les brasseries du Cameroun, mais également au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour un retour aux anciens prix. Ceci au regard de la situation financière actuelle, plutôt tendue. Mais en attendant cela, les consommateurs des bières à Bertoua se rabattent sur la Magnan, la seule bière à conserver son prix d'origine.
Intéressons-nous maintenant à la prévention routière. Dans la plupart de nos quartiers ou de nos villes, nous sommes bien sûr au Cameroun. Nous avons suivi la brigade de gendarmerie ou la brigade routière de gendarmerie dans la région de l'ouest du pays, plus précisément à Bafoussam. Une opération qui consiste en la sensibilisation des usagers de la route. Qu'est-ce qu'on a pu retenir? En quoi consistait effectivement cette opération menée par donc les responsables de la gendarmerie située dans la région de l'ouest du Cameroun? Regardons plus ce reportage pour mieux comprendre. Le but de notre opération, c'est pas de vous retarder dans votre déplacement. Je sais que vous avez des urgences et autres, mais c'est plutôt tout mettre en œuvre pour que vous arriviez en sécurité à destination. Excès de vitesse, roues usées, surcharge et défaut de carte nationale d'identité. Telles sont les infractions courantes relevées au carrefour Tchan et au carrefour Bantoum dans le département d'Undi. Deux principaux axes où les éléments de la Légion de gendarmerie de Bafoussam se sont détachés pour sensibiliser les usagers et réprimer les infractions dans le cadre de la 210e phase de la prévention routière. Est-ce que vous avez été surchargé? Est-ce que tout le monde a une place? Est-ce que chacun a sa carte nationale d'identité? Bien. Que chacun lève sa carte nationale d'identité. Le numéro, vous le connaissez. En cas de problème, il y a un seul numéro pour la gendarmerie. C'est le... Qui peut me dire? Le 117. Donc, en cas de souci et autres, appelez le 113. S'il y a des surcharges et autres, vous n'êtes pas obligé de voyager, vous pouvez dénoncer. Dénoncer. Ce qui est bien, je constate qu'ici, il n'y a pas des gens, des gens qui sont debout déjà. Et il n'y a pas, d'habitude, on voit les sacs au niveau des escaliers ou bien des passagers qui sont assis là au niveau des escaliers. Est-ce que les sièges ne disposent pas de ceintures de sécurité? Ça n'existe pas. On contrôle aussi la soute à bagages pour se rassurer qu'il n'y a pas d'objet suspect ou dangereux. Parmi les infractions, on aura également découvert des cas de falsification de faux documents dont une carte nationale d'identité scannée. Le problème avec le passeport du monsieur, c'est qu'il a un visa, il sort du Nigeria, et il a un passeport avec un visa sur lequel la durée du visa n'est pas marquée. Celui tout à l'heure a une carte nationale d'identité scannée. Il n'a pas la pièce authentique. Or, on demande la pièce authentique et non un scan des documents officiels. C'est pour ça qu'on l'a conduit au niveau de la table pour qu'il soit entendu pour défaut de carte nationale d'identité. Il sera entendu pour tous ces motifs-là parce que le document qu'il nous présente n'est pas un document authentique. C'est pour ça qu'il est confié à un officier de police judiciaire qui procédera à son audition et puis la procédure suivra son cours. Le défaut de présentation est une contravention de 4e classe, mais le défaut de carte nationale d'identité est un délit, donc c'est passible d'une peine d'emprisonnement allant à 10 ans maximum. Cette prévention routière sur les actes suscités s'est tenue du 1er mars à ce lundi 4 mars 2018 pour ce qui est de cette 210e phase de l'Ouest. Vraiment, c'est génial de rencontrer la gendarmerie sur tout notre tronçon. Si on pouvait multiplier autant de postes pour essayer de freiner la vitesse de circulation. Parce que la chaussée qui est toute dégradée. Non, lui il peut gérer ça là-bas. On a dit, on ne savait pas. On erre le mec. Il dit ça. L'opération qui est aujourd'hui à sa 3e génération et sa 210e phase qui était avant dont le vocable a été retenu par plusieurs usagers de la route d'ailleurs, prévention, est aujourd'hui passé à une autre étape qui est celle du contrôle, de la surveillance et de la répression des infractions au code de la route. Donc cette opération a un double objectif. La mission que nous effectuons aujourd'hui est une opération baptisée opération contrôle, surveillance et répression. Et cette opération a pour but de réduire de manière considérable le nombre d'accidents et des victimes
sur nos principaux axes routiers. L'excès de vitesse, le non-respect de la limitation de vitesse, le défaut de port de la ceinture de sécurité, le chevauchement de la ligne continue, les roues usées et l'usage aussi du téléphone, le fameux téléphone au volant. À ceux qui utilisent la route, notre message est de les exhorter à avoir un sens patriotique et civique. Parce que il faudrait protéger le patrimoine routier qui est un patrimoine national, de un. Et avoir aussi, je m'adresse beaucoup plus aux conducteurs, une conduite dite responsable. Mais au cours des différentes campagnes de prévention routière, les populations sont davantage, de plus en plus sensibilisées sur l'importance de la carte nationale d'identité. Et le bilan que nous faisons jusqu'à présent, c'est que les infractions en termes de défaut ou bien de non-présentation de la carte nationale d'identité va décroissant, ce qui prouve que vraiment l'impact de cette opération est favorable. Ceux qui n'ont pas la place assis à descendre. Cette campagne, baptisée de contrôle, de surveillance et de répression rendue à sa troisième génération, a débuté le 1er mars dernier et s'est achevée ce lundi 4 mars. Restons à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun, pour parler de cet accident de la circulation qui s'est produit il y a quelques jours. Y a-t-il eu des morts? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet accident de la circulation? Élément de réponse dans ce reportage. C'était un camion de sable. Il montait et le basculin montait. Donc, subitement, le basculin a voulu jongler et le poussin l'a bloqué. Il s'est retrouvé en bas du camion. Donc, le passager est mort et le chauffeur a survécu. Les deux chauffeurs ont fui. J'ai juste vu comment deux camions montaient et il y avait l'embouteillage. Comme les mercenaires aiment forcer, j'ai vu comment un mercenaire est passé entre deux camions et le camion qui était derrière était chargé. Le camion est donc monté sur la moto et le passager qui était derrière la moto n'a pas réussi à sauter. Le camion est monté directement sur lui et sur la moto. Le monsieur est mort sur place. Après, quand le camion est monté sur le père qui était derrière la moto, il n'a pas eu le temps même de bouger. C'est ça qui a attiré la foule. Et le bestia a fui avant le chauffeur camion. Je suis sorti le matin, j'étais en train de travailler. Finalement, j'ai entendu comment les gens criaient. Après, maintenant, quand j'ai vu comment il y avait un dessineur en bas du camion et un paquet de coucher, sa tête était sur la roue du camion. Un corps sans vie a été retrouvé au quartier 7 en Consamba 1er. Nous sommes dans la région du littoral, le département du Mungo. Apollinaire Kameni est allé au domicile de la victime. Regardons plutôt. Le corps sans vie de Ngato Etienne a été découvert dans son domicile en début de semaine au lieu dit quartier 7 dans le premier arrondissement de Konsamba. Selon un voisin du défunt, ce dernier, âgé d'une soixantaine d'années et plus, était très souffrant toutes ces dernières semaines. Ça faisait depuis samedi qu'on n'a pas vu mon voisin, M. Ngato Etienne. Il vivait seul. C'est pour ça que nous sommes déportés, mon chef de quartier et moi, au commissariat. Et c'est du commissariat qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on attende les sapeurs. Et là, on attend les sapeurs, puisque c'est eux qui viendront. Il y a les sapeurs qu'on attend, le procureur de la République. Le commissaire est là, non? Oui, le commissaire est là, oui. On attend le procureur et le docteur. Et on est là, on attend. Ce qui est sûr, il y a une odeur. Vous voyez la fenêtre qui est ouverte. C'est juste parce qu'on a ouvert la fenêtre, mais à l'intérieur, il y a les vitres. Parce que les gens se demandent pourquoi la fenêtre est ouverte. On ne peut pas entrer. On a forcé la fenêtre, on a vu qu'il y avait les coupes parce qu'il y a les vitres. Bref, c'est ça, on attend l'arrivée de
du procureur et des sapeurs pour qu'on puisse dégager le corps. C'est une odeur inhabituelle qui se répandait dans le quartier, a attiré la curiosité des riverains qui voulaient en savoir la provenance. De là, la découverte macabre a été faite. La victime, parce que ça fait presque 3 jours aujourd'hui qu'on ne trouve pas le papa, on appelle ses enfants pour se rassurer que si peut-être le père est chez ses enfants, et on appelle le père, les enfants disent que non, ils ne sont pas avec les papas. Maintenant donc, ça fait 3 jours aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait le 3e jour. Voilà. J'ai maintenant dit à maman, si déjà ça fait 3 jours comme ça là, vous les voisins, vous ne faites pas au moins quelque chose. Si le papa est à l'intérieur, il est mort. Si ça sent déjà, vous serez victime, vous les voisins. Avant que maman dise qu'elle va trouver le chef de bloc, on trouve une solution à ça, pour casser cette porte, avant qu'on allait prendre l'autorité, comme vous voyez là. Et comment avez-vous constaté qu'il y a un corps dans cette maison? C'est parce que ça fait 3 jours qu'on ne voit pas le papa là. Et vous en avez la preuve qu'il est mort? Moi, je suis certain, parce que le papa, il doit être à l'intérieur. Et s'il y a les odeurs? Bien sûr, c'est en santé, c'est depuis le matin, j'ai même constaté ça, qu'il y a juste un peu d'odeur qui est en train de sentir là. Et vous l'avez vu pour la dernière fois quand? C'est juste samedi. Il vivait seul, il n'avait pas de femme, d'enfant? Non, il vivait juste seul à l'intérieur, là. Il n'avait pas d'enfant. Et il souffrait de quoi? Il était malade, il ne sait pas de la maladie. Du coup, l'alerte a été lancée. La réaction a été prompte, celle des éléments du commissariat du premier arrondissement de Nkansamba, qui ont aussitôt fait appel aux hommes du centre de secours de la cité Oduman. Ces derniers, arrivés sur les lieux, ont utilisé tous les moyens possibles pour extraire la dépouille de Siungato Etienne en état de décomposition avancée dans son domicile où il vivait en solitaire, loin de sa famille. Au moment où nous quittions les lieux en début de semaine, l'exécutif municipal du premier arrondissement de Nkansamba acheminait la dépouille à la morgue de l'hôpital régional et la famille du défunt a été saisie. Still in Nkansamba, in the Mungo division, someone decided to take off his life through a hanging. What did really happen? We have the answer in the following report. Cet moment est inconsolable et ses pleurs ne feront jamais revenir son fils à la vie, car ce dernier, âgé de 29 ans, s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du 4 au 5 mars, au lieu dit Carrefour Masanga, au quartier 9, dans le premier arrondissement de Nkansamba. Selon les propos recueillis des riverains, Wingwa Kamdem Romial, puisqu'il s'agit de lui, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Il aurait fugué d'un centre psychiatrique avant de se donner la mort dans l'une des pièces de leur domicile. Qu'est-ce qu'il faisait pendant la vie? Bon, il était élève. Élève où? Il a eu son bac au lycée de Manenga. Après son bac, il a eu son concours de l'école normale supérieure Yaoundé 1. De là, la maladie. Ça fait 2 ans. Comme il était à l'hôpital de Manenga. Bon, de là, il a quitté l'hôpital hier matin. La maman est retournée à la maison. C'est au petit matin du 5 mars dernier que la triste découverte a été faite par les siens. Il souffrait de quoi? Informé, le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Nkansamba, accompagné des éléments du commissariat du premier arrondissement de la cité Oduman, est descendu sur les lieux. Après le constat effectué, les dispositions ont été prises par la famille pour l'inhumation du corps sans vie de ce jeune homme qui en avait marre de la vie, dit-on. Une enquête a été ouverte et suit son cours. What gets
denizens of PKDs precisely at Dikai Angri, Delhi. Here we go. Ce qui m'a énervé ici à PKD, c'est parce que, premièrement, la route, ce n'est pas vraiment arrangé comme on veut, comme on le souhaite. Parce que le quartier demande qu'on soit au moins dans un quartier bien éclairé. Il y a des agressions, il y a tout qui se passe dans ce quartier. Ouais, ce qui nous énerve sur le quartier, c'est les polémiques du quartier. Des gens qui ne veulent pas relever les enfants qui viennent derrière. Quand il y a une cérémonie comme telle, nous les enfants de Dikaré, nous sommes pas à l'aise. Ce qui m'énerve, c'est un plus le banditisme que nous sommes en train de gérer. C'est ça. Les routes sont désenclavées. Donc il y a beaucoup de choses qu'au fur et à mesure, on les écoute. On ne peut pas dire réellement. Problème de lumière, problème d'eau. Et en plus, il n'y a même pas la route, c'est pas goudronné. La route mène jusqu'à l'hôpital des sœurs. Donc il faut comprendre ça, il faut une route pour l'hôpital. Et ça m'énerve. Ce qui m'énerve ici, dans notre quartier du Kahé, c'est la coupure du courant. Après ça, c'est la route, on n'a pas de route. Et l'évolution du quartier, ça ne marche pas. Ce qui m'énerve, c'est ça. Et ça m'énerve. Sauf les coupures, il y a trop de coupures au quartier. Ça vous fait comment? Ah, ça nous gâte les appareils. Ça vous énerve? Oui, ça nous énerve. Monsieur, c'est l'état de la route. La route n'est pas bien aménagée. C'est-à-dire, c'est ce qui m'énerve. Et ça vous énerve? Ouais, ça m'énerve beaucoup. Ce qui nous énerve, c'est que la nationale coupe le courant intensément. L'eau n'a plus de couleur. On peut avoir l'eau sans couleur. On ne sait plus comment on doit faire. Donc nous sommes dépassés. On a déjà fait la doléance, rien ne change. Et ça, on ne sait pas si le responsable de ce pays doit prendre quand même charge de la population. Ici à PK10, ce qui nous énerve, ici à PK10, au rond-point colonel, c'est un problème d'électricité avec la Sonel. Et d'eau. Voilà. Premièrement, la Sonel a mis un faux disjoncteur dans ce quartier. Chaque 20h30, la lumière part. On a besoin que ça s'arrête. Ce qui m'énerve, Colindy, rond-point Colindy, Dikaré, c'est la coupure de courant. Chaque 20h30, comme mon petit vient de dire, on nous coupe la lumière. Depuis au moins 8 mois. Et ça m'énerve vraiment. Ce qui nous énerve dans ce quartier, premièrement, c'est un problème de sécurité. Les routes ne sont pas aérées, il n'y a pas de lampadaires et les bandits sont nombreux. Et deuxièmement, c'est un problème d'électricité. Chaque 18h, 19h, on coupe le courant et nos appareils sont foutus dans la maison. Chaque soir ici, chaque jour, on coupe la lumière et c'est ça qui m'énerve. Je m'énerve déjà ici dans le quartier d'Ikaé. Déjà, il n'y a pas d'abord de route déjà, en commençant. Il n'y a même pas de lampadaire, tout c'est du bordel ici. Je ne vois pas les routes, je ne vois pas les lampadaires, il n'y a rien, pas de caniveau, rien du tout. Et la sécurité, mais d'abord, il n'y a pas de sécurité dans ce quartier. Donc c'est ça m'énerve vraiment. We can't say goodbye without thanking Gilbert Mange for his prompt reaction as far as producing this program is concerned. Of course, we also had Nzi Pierre was there who stands as the sound engineer, without leaving out Gladwin Kameni Solangina and the greatest Abba Zolo. It's been a pleasure. We give you another rendezvous next Saturday when the clock is 12:30. And of course, don't you forget that we have a rebroadcast of this program, which comes up every Sunday when the clock is 6:30. And of course, on Tuesday at 9:30. Remember, the best is still to come on Spectrum Television. Goodbye. STV, votre télé.